Sachez qu'à vous tous, vous avez gagné 2 400 000 euros. Wow. Et que vous êtes resté 3 ans et demi à l'antenne. 3 ans et demi tous les jours dans le salon des téléspectateurs. Alors, t'es pour qui? Bah, question pour un champion, on est obligé. Mais Enzo, parce que c'est le viewer adoré. Et en plus, Enzo est très très fort. Et il est très jeune. Du coup, bah, c'est encore plus impressionnant, je trouve, d'avoir ce niveau quand t'es très jeune. En 2023, quelle célébrité crée la polémique en sortant son autobiographie, Le Suppléant? C'est le prince Harry. Lui. Le prince Harry. Oui. Bonne réponse. Oui. Point pour Paul. Nouvelle question. Parmi les capitales de l'Union européenne, laquelle se trouve la plus au nord? Et quand je me lève, je me rappelle que tes lèvres seront plus les miennes. Les lumières s'éteignent. C'est Helsinki. Genre après midi. Bonne réponse, la capitale. Eh ouais. En 2022, quel pays a remporté le concours Eurovision de la... Aucune idée. Moi, dans ma tête, l'Eurovision, c'est souvent, tu sais, les pays nordiques. Je sais pas, je flippe un Suède. Sébastien. En 2022, c'est l'Ukraine. Mauvaise réponse. Ah. Le concours Eurovision... Ah, vous dites c'est la France? Isabelle. La France. Ce serait quoi la fin de la question? Les plus jeunes. Le concours de l'Eurovision de la chanson Junior. Oui, c'est la France qui... Ils sont vraiment trop forts. Quel renard est devenu le sélectionneur, Paul? Oh, Hervé. Hervé Renard. Oh oui. Le sélectionneur de l'équipe de France de foot. Oh oui. Oh oui, Paul. Parce que là, les amis, nous, on a la question. Mais les gens qui participent, ils ne l'ont pas. Dans quelle chanson Georges Brassens cite-t-il la devise de Paris, Fluctuat, Mathieu? Je peux la ref. Les copains d'abord. Fluctuat. Oh, je savais pas du tout qu'elle l'accusait de violence. Ok, j'avais pas du tout la ref. Nec, mergiture. Écoutez. C'est Fluctuat, nec. Mais oui. Mais attends, mais qui suis-je? Mais oui. Elle est trop stack, cette émission. Parce que généralement, dans les quiz des champions précédemment, il y a souvent des gens à la traîne. Souvent des gens qui ont pas de points jusqu'à la fin et tout. Et là, tout le monde a un point. On continue. Juste après chaque victoire, en finale de Wimbledon. Oh, il bouffe de l'herbe. Il mange un brin d'herbe. Oh, il le prêche. Non, mais c'est quoi ce joueur? Il a entendu dans la question, juste après chaque victoire, en finale à Wimbledon. Bravo! Un point de plus! Mais s'il vous plaît. C'est la tradition. Effectivement, le joueur mange quelques brins du gazon de Wimbledon à chaque fois qu'il gagne le tournoi. Il a même félicité les jardiniers en assurant que le goût était parfait. En 1992, quel héros d'un film Disney a été dessiné en s'inspirant de... J'ai aucune idée. Qu'est-ce qui peut ressembler à Tom Cruise? Aladdin. En s'inspirant de Tom Cruise, c'est, c'est Aladdin. Bravo, 2 points. Oh, c'est incroyable. Sur un permis de conduire, combien de points au maximum peut-on perdre en une seule fois? 6, non? Au maximum en une seule fois, Stéphane. 8. 5. Sûr de vous? Oui. Ça vous est déjà arrivé? Oui. C'est vrai? Oh, c'est trop marrant. Non. Non, Tigone, non, non. Deuxième point, bravo Stéphane. Oh, c'est une légende quand même. Oui. Si vous roulez, Stéphane, alcoolisé, le téléphone à la main et vous grillez un feu rouge, bam, 8 points. Stéphane 12 un peu points. Au bout d'un moment. De 12. Quel pays obtenez-vous le drapeau? Si vous... Regardez celui de l'Irlande. C'est la Côte d'Ivoire. Nicolas. La Côte d'Ivoire. Eh bah oui, le drapeau de l'Irlande, c'est 3 bandes verticales. Oui. En 1976, quel souverain étranger... Quoi? Mais dis pas qu'il a buzzé parce qu'il a entendu souverain étranger et 1976. Je vais péter mon crâne. Stéphane. Oh, j'ai pas appuyé, mais c'est pas grave. Ah. Dites un truc. Juan Carlos. Non. Mais du coup, la question, elle est terrible parce que du coup, dites-vous que nous, on lit la question, mais eux, ils l'ont. En gros, ils écoutent que la voix de Cyril Ferraud. Et là, oh, c'est impossible. Sébastien. Ramsès II. Non, mais toi, écoute-moi. Toi, on va t'attraper dans une ruelle, d'accord? Plus de 3000 ans après sa mort, c'est Ramsès lui II. Non. Non, mais. 3 points pour Sébastien, qui n'est plus qu'à un point de la qualification. Ils ont dû lui faire un passeport. Et sur son passeport, c'était marqué profession roi, entre parenthèses, décédé. Oh, tu nous régales, en plus tu nous mets la cherry on the cake. En 2013, vous jouez avec nous à la maison. Quel chanteur américain propose un clip d'une durée de 24 heures? Oh, je la ref. C'est Pharrell Williams. Sébastien. C'est Pharrell Williams. Oh, mais il l'a encore. C'est le meilleur joueur du monde. Dans quel film de Martin Scorsese Robert De Niro J'ai la ref, c'est Taxi Driver. Sandrine. Taxi Driver. You talking to me? Taxi Driver, of course. Eh bah écoutez, je l'ai vu. On continue. Combien y a-t-il de verbes dans la phrase
il faudrait interdire la chasse à courre. Alors là, attends, est-ce que tu considères que interdire, est-ce que tu le considères comme un verbe ? Que moi techniquement j'ai envie de dire deux, parce que c'est infinitif, je suis con. En fait, je pensais que c'était une non. Verbe, il y en a deux. Il y en a pas deux. Il faudrait interdire la chasse à courre, Renzo. Un seul ? Non. Non. Il faudrait interdire la chasse à courre, Isabelle. Il y en a trois ? Il y en a trois, il y a falloir, interdire et courir. Et courir qui est un verbe aussi qui signifie poursuivre. Dans la hiérarchie de la noblesse française, quel titre se trouve entre le comte et le duc ? Je sais pas. Attends, entre le comte et le duc, le baron ou le marquis ? Paul. J'ai le baron. Marquis. Hein. Si c'est une bonne réponse, Paul est qualifié. Sandrine, elle dit oui de la tête. Chevalier, baron, vicomte, comte, marquis, duc, prince, archiduc et prince royal, c'est la qualification de Paul. Au Scrabble, combien de points au maximum obtenez-vous si vous débutez la partie avec le mot quiz ? Oh ! Estelle ? J'irai 33. 40. Comment vous comptez 40 ? De quoi ? Ben le Z vaut 10, le U et le I valent 1. Ça peut pas être 40 ? Si faites... Ouais non, donc ça fait 12 et le Q vaut 8, ça fait 20 fois 2 puisque c'est au début, ça fait 40. Et parce qu'au début d'une partie, on est obligé de poser son premier mot sur la case 100. Oh la légende, bah oui, tu peux pas avoir mot contre trip parce que c'est... Non, c'est trop grave. Qui a été le premier pape de l'histoire à poster un tweet ? C'est pas Jean-Paul II ? A poster un tweet, Timothée. François ? C'est pas le pape François. Timothée, non, je crois que c'est pas l'ancienne, genre au début Stéphane. De... Benoît XVI. C'est Benoît XVI. Ah, c'est Benoît XVI. Ah bah, après Jean-Paul II. Si vous naviguez au cap 90 degrés, quel point cardinal est derrière vous ? 90, du coup, bam. Bah, du coup, c'est ouest. Enzo. Ouest. Parce que 90 ouais, degrés, c'est l'est. Et c'est l'est. Et à l'opposé, 270, c'est l'ouest. Eh bah voilà, deux points pour Enzo. Bravo. En 1929, quelle romancière britannique a publié le livre féministe ? Non, j'allais dire... Non, ça peut pas être Bronté, j'ai pas le ref. Agatha Christie. Non. Le livre féministe, Timothée. Virginia Woolf. Ouais. Oh, c'est elle. Une chambre à soi. Qualification c'est pour Timothée. Virginia Woolf, bah oui. Regardez cette image. Ah, il faut regarder les chiffres. 1, 9, 6, 9. Je sais pas. Quel nombre ce tampon, Enzo. 169 699. Oh, ça, c'est mes viewers, ça. Quelle mère de New York a donné son nom, Sandrine ? Je l'ai pris en plus. La Guardia ? Mais oui, c'est la Guardia. Oh, à l'un des aéroports de la ville, c'est, bah oui, c'est la lui. Guardia. Bravo, Fiore. Mais oui, bah Guardia. Oui, bah oui. J'aime bien les questions. Elles sont bien équilibrées, je trouve. L'élection de Miss France 2023. Quelle région d'outre-mer, Indira Ampio ? Il me semble que c'était la Réunion. Enzo. Non, c'était pas Mayotte ? La Guadeloupe. Si c'est la Guadeloupe, vous êtes... Ah. C'est des bâtards de pas l'avoir coupé au montage. Indira Ampio représente. C'est ça en plus. C'est la Guadeloupe, bravo. Yes. Trop fort. Let's go, Enzo. Quelle héroïne d'un conte de Perrault ? Mathieu. Cendrillon. C'est pas Cendrillon. Mathieu est bloqué. Sandrine. Podane. C'est Podane. Qualification okay, oui. Pour Sandrine. En France métropolitaine, combien y a-t-il de jours fériés en automne ? Combien y a-t-il de jours fériés en automne en France métropolitaine ? Isabelle ? Un seul ? Non. Mauvaise réponse. Zéro ? Stéphane, est-ce qu'on joue ? Ou est-ce que vous préférez ne pas vous bloquer et répondre à la question d'après ? Deux. Alors, 8 novembre et 11 novembre. Mathieu était ah oui, vous novembre. Vous auriez dit quoi, vous, Mathieu ? Deux aussi, oui. Alors, il y a la Toussaint. Le 1er novembre. Le 1er novembre. Ouais. Ensuite le 11 novembre, mais c'est tout. Puis le 11 novembre qui célèbre l'armistice de 1918. Et c'est tout. Deux et la bonne réponse. Trop fort. C'est la qualification de Stéphane. C'est tout le Steph. Bravo Stéphane. Et bienvenue dans cette manche que les champions et les championnes détestent. Et pourquoi ils détestent ? Bah parce que c'est random. Allez, je vais prendre romantique, allez. Préparez-vous. Puis dans le classique. Auguste, Tibère, Caligula. Il fait dans l'ordre ce connard. C'est une légende. Claude, Septime Sévère, Caracalla, Gaëta. Oh, je stresse. Caligula, je l'ai déjà dit. Oh non. Septime Sévère, Caracalla.
Domitien, Nerva, Trajan, Adrien, Antonin le Pieux, Théodose, Valentinien Ier, Valentinien II, Galien, Nerva, Trajan. Du bout des doigts, il la met sur le poteau. J'ai détesté cette manche, hein. Je la déteste parce qu'elle me stresse à un point. Le problème de cette manche, c'est quand vous butez sur une réponse, après c'est vous perdez vos moyens. Il a fait deux doubles, il a fait deux trois doublons. Ça descend. Ça descend encore. 15. 15, c'est très honnête. Hein. En fait, vu comment il a galéré au début, c'est très 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 honnête. Hein. Il est trop fort. Hein. Je rappelle qu'il est éleveur de vaches. Alors, ce qui est intéressant, ben oui. Ah ouais. C'est que ce thème-là, il... Oh, si c'est les races de vaches. Était dispo pour tous les autres depuis le début, c'est-à-dire qu'ils auraient pu vous le piquer. Oh, la limousine. Vous avez de la chance. La charolaise. Regardez ce qu'il va falloir trouver. Non, Soufa, non, mais t'as compris. Les races de vaches. Oh, c'est très dur, mais pour lui, tu me balances de la charolaise, tu me balances de la vache de Salers. Aubrac, Salers, Gascon, limousine, charolaise, Blondac, Quitaine, Ménanjou, Partenaise, Primolstein, Montbéliard, Normande, Cimental, Abondance, Tarine, Vosgienne, Lourdes, Cabarguès, Pont du Léon, Villard de Lans, Hérens, Nantes. Oh, il a déjà 20. Bah oui, c'était sûr, les amis. Mais en fait, je vois pas comment on aurait pu douter. En fait, il fallait pas lui laisser le thème. Comment ça, mon bœuf? En vrai, stratégiquement, il faut jamais lui laisser le thème. Après, le problème, c'est que si tu comprends rien aux vaches, bah tu vas pas prendre le thème non plus. Est-ce qu'il y a un thème qui vous ferait plaisir? C'est un peu dur. Le jeu de société culte, parce que j'ai une idée, j'en suis sûr à 95%. Et c'est quoi votre idée? Le Monopoly. Les rues du Monopoly. Le jeu de société culte au singulier. Oui, j'ai vu au singulier. Ok, eh ben on vérifie. Sûrement regardez. Les cases différentes. Les trois thèmes au choix. Pour vous. Attends. Jeu de société culte. Attends. Donc, petite reine. Si c'est ça, c'est un génie parce que c'est imperdable. Moi, je pense que je les ai toutes. Il a... Gare Montparnasse, gare de Gaulle, gare de Lyon, case départ, prison, simple visite, aller en prison, parc gratuit, boulevard de la Villette, rue de Vaugirard, rue Le Courbe, rue de Paradis, avenue Mozart, place Pigalle, avenue Matignon, boulevard Malesherbes, boulevard des Capucines, avenue Foch, avenue Le Breteuil, avenue des Champs-Élysées, rue de la Paix, taxe de luxe, carte chance, carte communauté, fournisseur hydraulique, fournisseur d'électricité et... Alors là. Eh, on n'y arrive pas, hein. Les candidats de questions pour un champion, en fait je dis on, alors il think c'est zone de team alors qu'il participe pas. Mais les candidats de questions pour un champion, on n'arrive jamais cette épreuve. Petite reine et bannière étoilée, ce sont les thèmes. Je pense que ça peut être bannière étoilée. Et garde à vous. Les constellations, garde je à vous, pense, les guerres. J'espère savoir ce qui se cache derrière, et si j'ai raison, je remercie Enzo du fond du cœur. J'espère que ça parle des États-Unis. Et alors ce serait l'état des États-Unis. C'est win. Ah, c'est win, frère. Le Maine, le New Hampshire, le Vermont, le Connecticut, New York, le New Jersey, la Pennsylvanie, le Maryland, le Delaware, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Virginie, Dakota. La Géorgie, la Floride, la Louisiane, le Mississippi, le Missouri, le Kansas. Oh, elle est forte quand même. Hein. L'Ohio, le Michigan, le Missouri. Le Dakota du Nord, Dakota du Sud, Hawaï, Alaska, la Californie, l'Oregon. Stop ! Oh, elle est forte ! Sandrine, c'est incroyable, hein. Et Paul qui sort encore en liste, hein. Money. C'est ce que je pense, garde à vous, ça doit être les grades de l'armée française. Donc je vais partir sur garde à vous. Vous avez fait l'armée ? Oui. Donc les grades, a priori... Oui. Mais t'en as pas 17 ! Ça va. On devait les apprendre par cœur, donc... Ah oui ! Il va falloir retrouver, s'il vous plaît... Oh oui. De l'armée française. Ça fréchote bien là dans cette que émission. Que l'on peut trouver dans l'armée de AK, Global Elite, Nova 2. Dans l'armée de l'air, et à la dans la marine ou dans la gendarmerie. Première classe, deuxième classe, brigadier, brigadier chef, sergent chef, adjudant chef, major, lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, aspirant, sous-lieutenant. Général de division, général de brigade. Il a fait tous les Call of Duty, le couze. Général d'armée, général de corps d'armée, capitaine de frégate, lieutenant de vaisseau. Amiral, caporal. Amiral, ouais. Vice-amiral, contre-amiral, capitaine de corvette. Et voilà, c'est tout. Wow. Cette fois-ci, il va falloir briller par vos connaissances, comme d'habitude, mais il va falloir aussi être stratège et réussir à piéger vos camarades. Le plus rapide choisira un thème pour lui
et un thème sabotage, c'est-à-dire un thème piège pour l'un de ses adversaires. Charlemagne, moule, tatouage, sitcom, Madonna, menuiserie. Wow, les thèmes. Danse classique. En fait, du coup, dans cette émission, enfin dans ce secteur, ils font exprès de mettre des thèmes un peu bizarres pour que les gens sabotent. On cherche un instrument de musique à vent qui compte de 19 à 22 clés. Tony Curtis en joue déguisé clarinette en femme. Timothée. 22 clés. Du saxophone. Non. En joue déguisé en femme dans le film Certains aiment chaud. Bah oui, connard. De John Coltrane. J'ai voulu tenter. Je vais prendre Charlemagne. Oh oui, logique. Ok. Et le thème sabotage ? Et je vais donner les sitcoms à Enzo. Il est malin ! Sitcom parce qu'Enzo est jeune ! On cherche un homme célèbre, avocat de profession, né en 1759 à Arcy-sur-Aube. Après avoir fondé le club des Cordeliers, il devient ministre. Timothée ? Aucune idée. Les Cordeliers, c'est... sont toujours les questions. Danton. C'est sûr que c'est pas mon niveau. Georges Danton. Wouah, Georges Danton. Wow, c'est pas mon niveau, hein. Je suis pas un champion. Bravo. Allez, je vais prendre menuiserie. Ok. Ouais, bah logique. Et un thème sabotage pour un adversaire. Je vais donner... Est-ce qu'il va aller dans... Podologie à Sandrine. Ah. Pourquoi Sandrine? Sandrine, elle se fait toujours saboter par les garçons. Mais je l'aurais choisi pour moi, figurez-vous. C'est vrai? Mais oui. Ah ouais, voilà. On cherche une automobile dont le premier modèle utilisé, une Graham Page, a été offert en 1929 à son prestigieux passager. Après avoir été longtemps décapotable, elle a été équipée d'un blindage en 1981. Bah la coccinelle. 81 suite à la tentative d'assassinat. Stéphane. Ah non, 600. La Papa Mobile. Ouais, c'est la Papa Mobile. La tentative d'assassinat perpétrée sur Jean-Paul II, c'est la Papa Mobile. Bravo. Sur Jean-Paul II, oh, bah Stéphane. Oui. Un thème pour vous, Stéphane. Papa Mobile. Madonna. Oh oui. Danse classique pour Enzo. On cherche une actrice née en 1976 dans le Puy de Dôme. Elle obtient le César du meilleur. Née dans le Puy de Dôme, c'est pas mal, en Cotillard. Enzo. Audrey Tautou. C'est le Puy de Dôme. Oh, t'es fort. On va donner tatouage à Stéphane. Ouais, c'est pas ouf d'avoir la réponse. Et de fait, les moules à Sandrine. Première question pour un point. Question podologie. Oui, quelle avec, pathologie hein. peut être soignée par le podologue? Bah... L'orgelet. Oui, bah l'orgelet, c'est les yeux. Le panari. Le panari. Ou la gingivite. Ouais, voilà la question. Voilà la question. Je vais dire le panari. Et commencer par un bon petit panari, ça fait un point. Quel type de pied est le plus courant en France? Le pied romain, le pied grec, c'est quoi cette question, ou le pied égyptien? Je sais pas, j'aurais dit romain. Par... C'est une question. Après, est-ce que c'est pas une méta de dire que on se dit qu'il y a moins de chances que ce soit le pied égyptien que le pied romain et grec? D'orteil. Parce que du coup, tu te dis par rapport à l'Europe. Je dirais le pied romain. Le pied grec, c'est le deuxième orteil qui est plus long que les autres. Le pied égyptien, c'est le gros orteil qui est plus long que le deuxième. Et ah, c'est ça, oui. Ainsi de suite. Et le pied romain, les trois plus gros orteils. Et oui, égyptien, c'est oblique. Ont la même longueur. Et le plus répandu, c'est le pied égyptien. La méta. De quel chanteur Lady Gaga s'est-elle fait tatouer le portrait au-dessus de la hanche gauche? Est-ce que c'est MJ? Freddie Mercury. Ah, c'est Freddie Mercury, elle est fan. Iggy Pop ou David Bowie? Je vais partir sur Freddie Mercury parce qu'elle doit son nom de scène à Radio Gaga, la chanson de Queen. Donc, Freddie Mercury. Elle s'est fait tatouer le portrait de David Bowie. Mauvaise réponse. En 1964, qui a écrit pour France Gall la chanson Sacré Charlemagne? Oh là là. Son fiancé, son prof d'histoire ou son papa? Moi, je me dis que son prof d'histoire, c'est trop tiré par les cheveux pour pas que ce soit lui. 64, elle était jeune. Fiancé, ça, son père, je pense. Ah, vous dites son père? Bravo, 3 points de plus. J'aurais jamais vu. Timothée. Qu'est-ce que le bédane en menuiserie? Un rabot, un ciseau ou une massette? Je ne sais pas, je vais pas l'inventer. Je veux dire un ciseau à bois. Ah bah c'est ça, bravo, 5 points. Wow, la légende. 13 pour Timothée. Oh, la légende. Avec Sandrine. Quelle chanteuse jouait un rôle récurrent dans la sitcom Les Nouvelles Filles d'à côté? Une. Corinne Charby, Karen Cheryl ou Emmanuel? Je crois que c'est Karen. Corinne Charby, elle a fait boule de flipper. Cheryl. C'est mon son de palmarès. Sûr de vous?
à 85 voire 90%. C'était quoi les filles d'à côté, vous vous souvenez? Il y avait Gérard Vivès, mais... Qui pillait les serviettes. Oui, le reste, faut demander à ma mère. Il y avait les filles qui habitaient d'un côté, les garçons de l'autre. Et dans les filles, il y avait... C'est Karen Cheryl, ouais. Karen, qui était jouée par Karen Cheryl. Fort. Oui. La voici, regardez, accompagnée de Christiane Jean qui jouait Claire et Marie Chevalier. Ah, j'ai besoin de rien montrer, c'est parfait. Et Patricia Elig aussi qui jouait Stéphanie. Comme vous êtes à égalité, je vais vous poser une question de rapidité. Mais maintenant, pour savoir qui va être finaliste ce soir. Une ville fondée en 1517 sur ordre du roi de France. Son centre-ville a été entièrement reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Verdun. Sur les plans de l'architecte Auguste Perret. Timothée. Le Havre. Son port est le deuxième de France derrière Marseille et son maire actuel est Édouard Philippe, c'est le Havre. Timothée. Légende. Légende. Ah, il est fort. Bravo, Timothée. Lui, il est très très fort, lui. Votre objectif, ça va être de me donner 15 bonnes réponses le plus rapidement. C'est la meilleure épreuve. C'est honnêtement la meilleure épreuve. Possible. Et c'est celui de vous trois qui aura le meilleur chrono qui affrontera en finale Timothée. Elle est trop bien cette épreuve. Sandrine, de quelle couleur sont les fleurs de colza? Jaune. Jaune. Bonne réponse. Au théâtre, avec quel bâton frappe-t-on les trois coups? Putain, comment ça s'appelle le bombard... Brigadier. Bonne réponse. Putain. Selon le titre d'une chanson de Pierre Demar, a-t-il prévu de marier qui? Un ange. Bonne réponse. Voilà. Lors d'un match olympique de volleyball, combien y a-t-il de joueurs par équipe sur le terrain? 5. 6. Quel nom porte la principale gare ferroviaire de Bordeaux? La gare Saint-Jean. Bordeaux. Saint-Jean. Bonne réponse. Quel héros de la mythologie a dû pousser éternellement un rocher au sommet d'une colline? Bonne réponse. Dans la bande dessinée Boule et Bill, qui est le coquère? Bill. Bonne réponse. Quel élément est toujours associé au fer pour obtenir de l'acier? Du carbone. Le carbone. Bonne réponse. À quelle romancière doit-on le personnage de Verne... Question pour un champion, Virginie Despentes. Non subutex. Virginie Despentes. Bonne réponse. Quel poison le philosophe Socrate a-t-il été condamné... La ciguë. ...à boire? La ciguë. Bonne réponse. Dans quel pays visite-t-on le site archéologique d'Angkor? Au Cambodge. Bonne réponse. Quel célèbre duo de chanteurs est formé par les frères... J'ai la ref, c'est Big Flo et Oli. Ordonnaise. Passe. Big Flo et Oli. Combien font 40... 60. ...fois 3 divisé par 2? 60. Bonne réponse. En 1909, quel pilote français a réussi la... Blériot. ...première traversée de la Manche en avion? Blériot. Bonne réponse. Quel alcool blanc est la base du cocktail Morito? Le rhum. Bonne réponse. En presse écrite, quel nom d'insecte donne-t-on à l'oubli d'un mot dans un texte? Coquille. Passe. Le bourdon. Ah non, putain. Quel mot peut désigner une couleur de carte à jouer? Carreau. Et un projectile d'arbalète? Carreau. Carreau. Bonne réponse. Combien de paires de pattes possède 6. Un cloporte? 5. Non, c'est 7. Ah. En 1990, quelle actrice est... Julia Roberts. L'héroïne de Pretty Woman? Julia Roberts. Bonne réponse. La vie de ma mère, je vous dis, je travaille en ce moment. Enzo, dans quel fleuve se jette la Durance? Le Rhône. Cune. Bonne réponse. Dans quelle chanson Renaud était-il peinard accoudé au comptoir? Non. Il sera le gagnant. Je vous dis oui. Laisse béton. Ah, ok. Quel signe du zodiaque se situe entre Bélier et Gémeaux? Taureau. Bonne réponse. Je suis trop 2014, fort, je l'ai pas. Quel acteur américain a épousé l'avocate Amal Alamoudine? Quelle question que j'ai pas? Bonne réponse. Aux États-Unis, quelle unité utilise-t-on couramment pour mesurer la température? Fahrenheit. Bonne réponse. En 1840, quel explorateur français a découvert la Terre à Delhi? Passé. Jules Dumont-d'Urville. Selon le titre d'une pièce d'Alfred de Musset... On ne badine pas avec l'amour. Avec quoi ne badine-t-on pas? L'amour. Bonne réponse. Quel petit carré de pâte farci est une spécialité du Dauphiné? La raviole? Raviole. Bonne réponse. À quelle hauteur de bande dessinée doit-on la série L'Arabe du futur? Riyad Satouf. Satouf. Riyad Satouf, bonne réponse. Dans la devise des Jeux Olympiques, que signifie Altius? Je sais pas. Plus haut. Bonne réponse. Ouais. Quel dieu grec a transformé Io en génisse? C'est Zeus. Passe. C'est Zeus. Quel ancien membre des Beatles a une fille styliste prénommée Stella? McCartney. Paul McCartney. Bonne réponse. Dans le marché automobile, quel est le nom anglais de la location avec l'option d'achat? Le leasing. Leasing. Bonne réponse. Quelle zone claire en arc de cercle est située à la base de... Le cuticule. Aux ongles. La lunule. Bonne réponse. Oh, trop fort. Quelle île des Antilles est aussi appelée... La Guadeloupe. Madinina. Martinique. Bonne réponse. Oh non, putain. En plus, Nino di Madinina dans le... Excusez-moi. Quel était le vice-président des États-Unis? Je sais pas. Bill Clinton. Vas-y, mais passe.
Al Gore. À l'église, comment s'appelle le vase sacré qui contient les hosties? Bonne réponse. Quel sirop faut-il ajouter au pastis pour obtenir une tomate? Menthe. Non, le sirop de grenadine. Il reste 10 secondes. Pince comprise. Combien de pâtes a le homard? 10. 4. Bonne réponse. Ah oui, du... Une minute 56. Bon, on est pour Enzo, mais... Au chrono. Stéphane donne envie. Qui va aller en finale face à Timothée, Enzo ou Stéphane? De quelle chapelle du Vatican Michel-Ange a-t-il peint le plafond? Sixtine. Bonne réponse. Quel réalisateur Vanessa Paradis a-t-elle épousé en 2018? Pass. Samuel Benchetrit. Quel jour de mars les Irlandais fêtent-ils la Saint-Patrick? Le 14. 17. Bonne réponse. En 2023, quel chanteur a sorti l'album intitulé Tirer la nuit sur les étoiles? J'avais. Et c'est Étienne Dao, malheureusement. Enzo la légende. Durant leur mandat, tous les présidents de la 5ème République ont eu un labrador, sauf un. C'est quoi cette question? Je sais pas, je me dis que De Gaulle, il avait pas de labrador. Je vais répondre Nicolas Sarkozy. C'est quoi cette question? Il aurait pas eu de labrador. Il y en a quelques-uns que je sais qu'ils en ont eu, après. Pas de certitude sur tous. Enzo, vous auriez dit qui, vous? En tout cas, certainement pas Macron. Je crois qu'il en a. Il en a un, je vous confirme, qui s'appelle Nemo. Oh, mauvaise réponse. C'était qui? C'est Charles de Gaulle. Combien de semaines doit-on laisser passer entre deux dons de sang total? Faut pas donner mon sang, je suis diabétique. Mais donnez votre sang si vous le pouvez, c'est trop important. J'en ai aucune idée. Je dirais 8. Aucune idée. Le temps que le sang se reforme à nouveau. 8 semaines. Donc, 8 près de 2 mois. C'est pas beaucoup, 8 Timothée. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que les hommes peuvent donner tous les 2 mois. 8 semaines, 9 semaines, 8 semaines, c'est ça. Est-ce 8 semaines? On vérifie. Vous écrivez 6 dans le chat, je peux la ref. Bonne réponse. Oh, c'est 8. Lors de la Coupe du Monde de foot de 1950. J'ai la ref. Quelle équipe a déclaré forfait faute de pouvoir jouer pieds nus? Les amis, j'ai la ref. C'était l'Inde contre le Brésil. Je veux dire l'Afrique du Sud. Mauvaise réponse, c'était l'Inde. Quel est le troisième gaz? Merci, ami. Le plus présent dans l'air. Attends. Sec. Attends, il y a azote, oxygène, argon. Je vais dire le dioxyde de carbone. Le troisième gaz, non, le deux, plus ça. Présent dans l'air sec. Ouais, peut-être tenter l'argon ou le néon sans être trop... En tout cas, un gaz rare. Entre l'argon et le néon, vous auriez dit quoi? Peut-être plus argon. Ah non, c'est mauvaise l'argon réponse. Et c'est Enzo qui avait raison, c'est l'argon, figurez-vous. L'air sec, il est composé d'azote à 78%, d'oxygène à 21% environ, et de gaz rares, parmi lesquels l'argon est le plus présent. Quel résident de l'Olympe est le dieu des tremblements de terre? Putain, c'est Poséidon. C'est probablement c'est... pas ça, mais je vais tenter c'est Atlas. Aussi. Ouais. Timothée, vous auriez dit quoi? Pas Atlas, qui n'est pour moi pas résident de l'Olympe, mais je sais pas. Nicolas, deux questions pour un champion. Héphaïstos? Mais non, c'est Héphaïstos alors. En fait, mauvaise réponse. Forgeron et... Alors, Atlas n'est pas un dieu, n'est pas un et résident de l'Olympe, c'est un titan. Ça. C'était Poséidon, le dieu de la mer. Non, mais c'était Poséidon, je... Figurez-vous, de la navigation. Putain, j'avais raison. Quel titre René Magritte a-t-il donné à... Ah justement, c'est pas Ceci n'est pas une pipe, c'est un autre truc. Célèbre tableau. Parce que ça peut pas être Ceci n'est pas une pipe vu que c'est trop facile, donc je connais pas. De 1929 qui représente une pipe. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. La trahison des images. Pourquoi y a-t-il marqué Ceci n'est pas une pipe sous une pipe? Parce que c'est la représentation de la pipe et ce n'est pas la pipe objet matériel. Bonne réponse. Premier point pour Timothée qui représente les 12 coups de midi. Et oui, c'est ça le tableau. Je vous demande quel adjectif est l'anagramme de chypriote, champion de slam. Bah oui, après c'est un champion de slam. Pas d'idée. Hypocrite. Après tout ce que j'ai fait pour... Non, vous vous rendez pas compte. Faire ça en finale, c'est irréel. Oui. Magnifique. Deuxième point pour Enzo. En 1827, quel animal Mehmet Ali, le vice-roi d'Égypte, a-t-il offert au roi de France un Charles animal X. en Égypte? Une girafe. J'aurais dit éléphant, mais vu comment il dit ça... Ah oh ouais, d'accord. Bonne réponse. Égalité, ah d'accord. 2 à 2. C'était ah ouais. La première girafe de France, on l'a appelée Zarafa. Elle ah d'accord. 18 ans au jardin des plantes avant d'être naturalisée, ah ouais. Figurez-vous. Quelle plante dont la France est le premier producteur mondial est surnommée l'or bleu de Normandie? Le bleuet? Non, ça peut pas être ça. C'est l'or bleu. Ah, je vais dire le lin. Mais le lin c'est bleu, il en est produit pas mal dans le nord de la France. Bon. Enzo, est-ce que vous avez une idée sur cette ça. Question? Peut-être la pervenche ou la campanule. Bonne réponse. Oh, il est trop fort. Timothée, pas
passe en tête. Ah non, lui c'est grave. 3 à 2. Ah lui c'est très très grave. La France produit 3/4 du lin textile dans le monde. Et chaque printemps, les paysages de Normandie se couvrent de bleu. En France, Enzo, à quel âge minimum? J'avais mes potes au collège. Ils commençaient à être sapeurs-pompiers volontaires. Ah non, c'était pas... Non, ils étaient pas sapeurs-pompiers volontaires. Mais ils étaient dans le truc avant d'être sapeurs-pompiers volontaires. Du coup, à 14, donc ça doit être vers 16. Volontaire. Je vais tenter 16 ans. Oh oui. Bonne réponse. Égalité 3 à 3, mais quel beau quel match. Quel match. Quelle zone du Sahara est devenue célèbre une... pour son acacia solitaire, l'arbre le plus isolé du... En fait, le problème, c'est que je ne sais pas donner une zone du Sahara. Du monde. Je veux dire le Djebel. Oh non, c'est ça, hein, faut aller se faire foutre. Hein. Djebel. Ah. Mauvaise réponse. Alors, le Djebel, c'est un... Oh, il avait l'air tellement sûr. Se trouve en Afrique du Nord. Ce n'est pas une zone précise du Sahara. C'est le Ténéré qu'on voulait. Alors, est-ce que quelqu'un l'avait là-haut? Le désert du Ténéré au Niger, oui. 3 à 3. Alors, peut-être. Enzo, tout se joue sur cette question. Quelle ville de Tunisie a inspiré le nom d'une des... C'est gagné. Planètes. De la j'ai, saga j'ai absolument pas la rêve de Star Wars. Je vais dire Tatooine. Bah oui. En fait, je l'aurais pas trouvé, mais quand j'ai lu dans le chat, j'étais en mode oui, c'est logique. Oh, Enzo, t'as gagné, bâtard. Quelle légende. L'émission qui fait. Enzo, c'est bien Tatooine. Putain, à 20 ans, il gagne ça. Planète désertique dans Star Wars et qui est également. Non, c'est un truc taré. Non, non, faire ça à 20 ans, les amis, c'est trop grave. Trop fort, alors oui, bien évidemment. Enfin, Timothée est incroyable. Et je trouve qu'il y a eu un peu de RNG dans les questions. Mais vas-y, en fait, tu peux pas... Dans une émission comme ça, dans une émission de Culture G et tout, il y a forcément une petite part d'aléatoire dans n'importe quelle émission. Donc là, il y a rien à dire. Hein.